Chaque entreprise et chaque mission remplie par un manager en transition correspond à un contexte psychologique, culturel et puis bien sûr technique particulier. Et c'est notre métier, nous, structures spécialisées, qui avons effectivement un peu de recul par rapport à ces situations, de détecter la bonne alchimie, c'est-à-dire que à nous de proposer le manager de transition qui va s'intégrer au mieux, ce qui nécessite de sa part un certain nombre de qualités. Notamment au plan psychologique, sa capacité à s'adapter, bien sûr, sa capacité à communiquer. Le manager de transition n'est pas quelqu'un qui va agir seul, mais qui va agir au sein d'une organisation, en apportant toutes ses qualités et l'expérience, encore une fois, de la gestion de situations particulières.